Regardez le nom du rappeur Booba, ça ne vous dit rien? Et oui, c'est une allusion à peine voilée à la chanson Booba, le petit ourson de Chantal Goya, une des plus grandes icônes gays. Et si le rap français n'était qu'un vaste complot pour les droits des homosexuels? Déjà, de très nombreux rappeurs comme Kaaris rendent tout le temps hommage au nombre 93, une référence évidente à l'année 1993 où l'homosexualité a été décriminalisée dans de nombreux pays. Dans leurs paroles, les rappeurs font en plus souvent leur coming out. Par exemple, Lacrim dans Pocket Coffee, qui dit fièrement qu'il est sorti du placard. Sors du placard, demain matin, je vais me faire... Et regardez ces photos de Booba, qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu, ses casquettes ont toutes les couleurs du drapeau arc-en-ciel. Le symbole de la communauté homosexuelle. Booba et Kaaris font en plus toujours ces signes de la main. Un G, un A, un Y. Gay, comme par hasard. Et quel est l'album de rap qui se vend le mieux en France aujourd'hui? Gradure l'homme au bob. Gradure l'homme au bob, c'est l'anagramme parfait de Bébé le dragueur homo. Prenez maintenant l'album futur de Booba. Vous avez remarqué? Les chiffres des secondes des morceaux composent parfaitement le numéro de téléphone du centre lesbienne, gay, bi et trans de Paris. Coïncidence? Je ne crois pas. Si vous aviez encore des doutes, regardez attentivement la fouine. Qu'est-ce qu'on voit très clairement? Eh oui, bien vu. Sa barbichette forme exactement le trajet de la Gay Pride de Paris. Des jardins du Luxembourg à la place de la République en passant par Bastille. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.